Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos. Donc aujourd'hui on est 9 mai 2024 et vous l'avez deviné, je suis encore à la pêche. Donc là je suis situé entre Équien et le Portel, en bas du phare. Donc vous avez le phare, voilà, il est juste derrière moi. Donc là c'est en fait, je pense que beaucoup vont reconnaître l'endroit et beaucoup vont le dire, mais c'est ta plage préférée, Dada? Oui, c'est ma plage préférée. Il y a quelques jours, j'étais avec des collègues de ce côté-là, ça n'avait rien donné. Du coup, je me suis dit, comme j'avais fait encore des verres, pas mal, tout ça, je me suis dit, allez, on va retenter notre chance sur ma bâche préférée. Alors justement, pour l'instant, je suis tout seul, mais bon, je pense pas que vous allez voir. Ils sont tout en haut. Ils commencent à arriver. J'ai des collègues qui vont arriver, donc Kevin et Jérôme. Ils veulent aussi reprendre leur revanche de quelques jours où on n'a pas fait vraiment pas grand chose, c'est-à-dire on a fait juste un flé, c'est tout ce qu'on a fait. Donc voilà. Donc là la marée basse, elle est à 21h, coefficient 101. Donc là je pêche toujours avec mes deux cannes, toujours avec mes longs traînards. Cette fois-ci je vais essayer de changer d'appât, essayer de mettre du calamar, de l'encornet, bref, essayer de toucher, essayer de mettre plusieurs choses différentes pour essayer de vraiment déclencher de la touche dès que je peux. S'il faut, je vais même essayer de commencer avec des petits hameçons. Et puis bah, par la langue de cette pêche, je verrai si ça donne ou pas. Je partirai progressivement sur des plus gros hameçons. Allez, arrête ton blabla et laisse-le la pêche. Avec les collègues, voilà, voilà. Coucou Jérôme. Coucou, voilà. Donc ça y est, on est installé là, il n'y a plus qu'à attendre gentiment, mais bon, je le sens bien pour cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je le sens, moi je le sens bien, ouais. Même pour de prochaines aventures, bah voilà.
voilà, on est dans sa phase remontante là. Enfin, elle remonte déjà assez vite, hein. On a déjà pas mal reculé. La nuit elle commence à tomber. Et ça se voit tout de suite là, les poissons se manifestent. J'ai un paracollègue qui vient de louper une belle touche. Donc là, on a mis les canaux propres. On s'est bien replacé pour pas trop être coincé dans les cailloux. Du coup, bah voilà, on espère que d'autres poissons vont venir. Mais ça fait plaisir, bonne revanche. Parce qu'il y a quelques jours, on est venu avec les collègues sur une plage à même pas un kilomètre à côté, hein, sur le côté des quilles. Hein. Et bah, je loupe deux touches, hein, deux grosses touches, mais là, j'ai pris ma revanche. Donc je suis assez satisfait. Donc voilà, un par, je fais un bar de 45. Et le deuxième, on est sur du 52. Donc parfait. Jérôme, lui, premier bar qu'il fait, on part sur du 34. Et puis, ouais, content. J'ai oublié aussi l'autre collègue aussi. Il est parti sur un petit bar aussi. Donc, enfin, Kevin, ouais, avec un petit bar. Mais bon, on désespère pas là. Là, on sait que c'est le bon moment pour faire d'autres poissons. Changement de stratégie du coup là il nous reste encore 2 heures avant qu'elle soit haute. On est carrément dans les rochers, dans les caillasses, donc on a changé notre approche de pêche. On est sur maintenant que sur un hameçon, un traînard. Là je viens d'avoir une tape là, justement, je regarde la canne là. On est sur juste un pont de 120, petit pont normal classique avec un long traînard et un hameçon de 2-0. Pas pour ma part, Kevin, je fais à peu près le même montage. Donc on va essayer de faire jusqu'à la mariotte et on espère toucher un petit poisson de passage. Là, je vais avoir une touche encore là. J'espère que c'est pas du merlan, on verra bien. Elle est quasiment en haute. Là, c'est sur notre dernier lancer. Je remonte dans les blocs. Donc, bon. Le camarade Kevin, il a encore fait un petit merlan. Mais on a moins de touches, forcément. Donc là, c'est vraiment le dernier lancer. On verra bien.
Que dire ? Très très bonne pêche. Donc voilà, on a pris une sacrée revanche sur la pêche qu'on avait fait il y a quelques temps. Où là, on a fait énormément de touches, pas mal de barres. Donc on fait en total 7 barres, dont 3 maillets. Donc 4 maillets, pardon. 4 maillets. Donc très bonne pêche. Sans compter qu'on mange une vive en plus. Kevin nous fait encore un petit merlan, hein, donc un petit merlan qui s'est perdu. Et il termine sur un joli filet en marée haute. Donc voilà, on était jusque à la marée haute, contre la falaise. Et même en marée haute, dans les carrément dans les rochers, ça a payé aussi. Donc franchement, ça a été très très bonne pêche. J'espère que ça vous a plu. Du coup, nous, ça nous a fait plaisir, ça remonte un peu le moral, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je pêchais énormément au bar et malheureusement, je faisais pas mal de défaites, on va dire. Même sur la dernière pêche, j'avais fait deux grosses touches où vous avez manqué, mais là, voilà, j'ai réussi à rattraper le tir, on va dire. Donc, il a juste fallu changer un petit peu de stratégie. Bon, je suis toujours resté sur le montage traînard, hein, comme d'habitude. Ce qui ne change pas. Par contre, j'ai changé sur la taille de mes hameçons. Je suis passé carrément sur du gros. Hein. Je cherchais vraiment du gros sujet. Je suis parti sur du 3-0 pour essayer d'éviter justement de toucher, quelques petits poissons. Bon, ça n'a pas empêché de quand même toucher une vive. Bon, la vive, elle a été un petit peu harponnée, on va dire. Donc, voilà, je peux pas dire très très bonne pêche. Donc voilà. Donc ouais, plutôt content. On va pas éterniser sur ce sujet parce que il est quand même déjà 2h30 du matin. On est arrivé. Enfin moi perso, je suis arrivé à 19h30. Même pas dire. Je me suis mis en action de pêche à 20h, marée basse. 21h, au début c'était très compliqué et une fois que la nuit a commencé à tomber et que la mer a commencé à remonter, ça a été la folie. Donc voilà. Non, je suis franchement très content, même je suis très content pour les poteaux parce que voilà, ce sont pas des gens qui ont l'habitude de venir sur ce secteur là. Et puis pour eux c'était vraiment des premières en soft casting et toucher du bar, parce que d'habitude ils touchent un peu de filet, mais ils ont fait leur premier joli bar. Donc voilà, je suis quand même content et puis j'ai encore passé un très bon moment avec eux. D'ailleurs je les remercie encore pour ce bon moment partagé avec eux. Voilà les amis, surtout que c'était pas vraiment prévu, c'était vraiment une pêche vraiment, moi à la base je devais y aller tout seul et Kevin m'a envoyé un petit message dans l'après-midi, écoute Dada, on arrive. Voilà, ça fait plaisir. Donc ouais, franchement voilà, très bonne pêche. Donc comme je le disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, hein, ou un petit commentaire sympathique, ça fera toujours plaisir. Voilà, donc comme j'ai dit, il est quand même 2h30 du matin. Temps de tout ranger, prendre une douche, on va essayer, hein. Je suis même sûr. Et puis voilà quoi. Donc ouais. Voilà. Aussi, je vais y arriver parce que je commence à être fatigué aussi. Aussi, je vous invite à venir me rejoindre sur la page Multipêche où vous verrez les photos, hein, le petit récit sur la page Facebook. Après, je vous invite à venir dans les prochains jours sur mon compte TikTok où quelques vidéos se baladeront à droite et à gauche avec les prises aussi. Donc voilà, ouais. Voilà, voilà mes amis. Sur ce, écoutez, je vous dis à très très bientôt, forcément, pour de prochaines aventures.